J'ai pas passé la nuit seule, j'ai passé la nuit avec quelqu'un. Je pars à la recherche d'un petit déjeuner en prenant le chemin le plus désagréable que j'ai jamais pris. Hein. Je vous laisse regarder. Je crois que j'ai jamais vu pire. Cette nuit, j'ai entendu plein de petits bruits pendant que je dormais, mais je me suis pas trop inquiétée. Je savais qu'il pouvait y avoir des petits animaux, puisque mon bungalow est composé de petites lames de bois accolées les unes aux autres, mais sans vraiment qu'il y ait de fermeture. Mais j'entendais quand même pas mal de bruits, et là tout de suite, en faisant mon sac, j'ai découvert que mon petit paquet de noix que je gardais précieusement depuis mon vol au cas où j'ai un petit creux, bah quelqu'un d'autre a eu un petit creux, donc vous voyez, ça a été carrément mangé. Donc je n'ai pas passé la nuit seule, j'ai passé la nuit avec quelqu'un d'affamé. Je m'apprête à partir à Cap en bus. Là maintenant, je suis à Campo parce que mon bus finalement s'arrêtait ici. On nous a annoncé qu'on allait avoir un nouveau bus dans une heure, ce qui me paraît énorme puisque le trajet qui me reste entre Campo et Cap est de 30 minutes. Mais finalement, le bus devrait arriver dans 10 minutes. Donc voilà, j'attends. Durant les 15 dernières minutes, je suis descendue d'un bus qui devait aller à Cap parce qu'il s'arrêtait à Campo. Je suis montée dans une petite automobile bizarre pour aller dans une autre station de bus. Puis l'autre station de bus nous a dit de revenir la première. Donc j'ai continué mon petit trajet en petite station. Et là, un bus nous attendait et maintenant je suis dans ce nouveau bus. Et j'espère qu'il va à Cap. Bon bah, d'après mon GPS, on ne va pas dans la bonne direction. Ça finit par arriver à Cap et je suis bien arrivée à mon hôtel. Voici la vue de ma terrasse. Donc ici, au premier plan, la piscine. Au second plan, la mer. C'est pas mal, hein? Et voici ma chambre. En fait, les petites branches avec les boules que vous voyez là, c'est du poivre de Campo. C'est vraiment super bon. Autant au 13 Beach, c'était une plage perdue au milieu de nulle part. Il y avait seulement quelques bungalows. Autant là, Cap, c'est une plage totalement intégrée dans la ville. Et ce qu'il y a de spécial à Cap, c'est qu'il y a des touristes cambodgiens. En fait, ici, les touristes cambodgiens ont des hôtels, c'est-à-dire des petites maisons avec des hamacs et ils louent sans doute un petit carré de chaque hamac. Et ils se baignent, mais sachez-le, ils se baignent tout habillés, en vêtements de ville. Hop, vous sautez dans l'eau comme ça et...